ce qui surprend d'emblée dans votre livre, Salomé Lerner, c'est le prologue, cette longue métaphore sur la vie, cette route symbole sous la pluie. Je sais bien que vous prenez la précaution de citer Stendhal, donc moi aussi je vais le citer. Tout roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de ce monde. Fin de citation. Mais on a l'impression que vous avez, excusez-moi, mais forcé le cliché. On a le vertige, ça touche à la nausée. Enfin, pour tout dire, ce n'est plus de la littérature, c'est du cinéma. Et même de la musique, car votre livre, au lieu de comporter une dizaine de chapitres, est construit en 4 mouvements. Je ne sais pas si c'est un compliment, mais c'est vrai, j'ai écrit ce roman en pensant qu'il pourrait devenir un film. Quant à sa construction musicale, c'est tout simple. Un piano m'a arraché à mon frère en 1943, un autre piano me l'a rendu en 1985. Si vous avez pensé cinéma, vous avez sûrement une idée sur les acteurs. Je crois qu'il faut laisser ce choix au metteur en scène, mais j'aimerais bien lui souffler Annie Girardot pour le rôle d'Hélène, Jean-Louis Trintignant pour le rôle de Roland, et pour Vincent, Richard Anconina. Et pour vous, à 20 ans ? Evelyn Bouix. J'aurais aimé lui ressembler. Et pour le pianiste qui a, on peut bien le dire, motivé ce roman ? Éric Berchaud lui-même. Encore faudrait-il qu'il accepte, car comme je l'ai écrit, il ressemble étonnamment à mon frère. Sur ce thème de la réincarnation, j'avoue n'être pas tout à fait convaincu. Mais quand vous écrivez, encore je vous cite, « Un jour de 1920, mon père, qui ne savait pas qu'il le serait, entra dans une pharmacie des Batignolles », fin de citation, eh bien, moi, je ne suis pas metteur en scène, bien entendu, mais je vois tout à fait Michel Piccoli aller vers Françoise Fabian. »